Bonjour frère et soeur, bienvenue sur Union sur Borne. Aujourd'hui encore, j'ai remarqué quelque chose et j'aimerais parler de cela avec vous. Faites très attention mes frères et soeurs, faites très attention. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Dans ce monde, il y a malheureusement des gens mal intentionnés. Des gens qui sont au service du diable. Ce que j'appelle les agents du diable, qui sont des sorciers, qui sont parmi nous et qui essaient de nous influencer d'une manière ou d'une autre. Et vous allez remarquer que quand vous allez prendre une décision, une très grande décision qui va vous faire avancer, qui va vous faire réussir, vous allez voir que ces gens-là seront là toujours avec leurs commentaires bizarres pour essayer de vous démoraliser, pour vous toucher moralement. C'est-à-dire, ils feront tout ce qui est possible pour vous rabaisser quoi, ou vous amener sur un autre chemin. C'est un truc hors du commun qui existe et que j'ai vu même aujourd'hui. Faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup de sorciers maintenant. Et les agents du diable sont nombreux par-ci et par-là, même sur Internet. Vous n'imaginez pas ce que je vois chaque jour. Si vous n'avez pas les yeux spirituels pour les voir ou vous reconnaître les yeux, vous risquez de tomber dans les plans. Du coup, j'ai décidé de vous donner quelques techniques afin que vous puissiez les détecter facilement. Oui, comment vous allez faire pour détecter les agents du diable qui sont autour de vous? Voici un exemple que je vais vous donner. Par exemple, vous sortez une vidéo et vous annoncez à tous vos frères et sœurs que vous allez bientôt vous marier. Ça là, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle, non? Et tout le monde est d'accord avec ça. Même Dieu a approuvé cela. Et vous êtes en train de chercher à avancer, à évoluer dans votre vie, à aller de l'avant tout simplement. Et c'est là, vous allez voir que dans les commentaires, quelqu'un va se lever pour venir dire quelque chose qui ressemble à ça. Du genre, oh, tu vas te marier, c'est une bonne nouvelle. Oh, que Dieu vous bénisse. Mais, ça sert à quoi de te marier maintenant alors que tu as encore le temps de passer du bon moment. C'est un commentaire bizarre. Déjà, regardez la structure. Ces personnes commencent par vous féliciter et vous encourager d'abord. Ça, c'est un semblant. Maintenant, là où vous allez voir l'hypocrisie, là, c'est au niveau où ces personnes vont dire « mais ». Tout ce qui va suivre après le « mais », là, c'est de la sorcellerie qui commence. Du genre, ce type de message-là sert en premier lieu à vous convaincre ou encore vous rassurer que ces gens sont avec vous, et le mail là, ça sera comme un couteau qui va venir vous poignarder dans le dos. Voilà, ou bien vous poignarder dans le cœur. C'est pourquoi il ne faut pas lire tous les messages. Il y a certains messages qu'il ne faut pas lire, il y a certains conseils qu'il ne faut pas même écouter. Si ces conseils-là vont vous enfoncer. Je vous parle de cela parce que je vis cela chaque jour. Je sais exactement de quoi je parle. Vous allez voir, quand je vais me lever avec Yann Soubon, nous allons faire une vidéo extraordinaire qui a commencé à toucher les gens. Vous allez voir des agents de diable qui vont maintenant venir pour raconter du n'importe quoi en commentaire. Je vous dis à même temps, vous les abonnez. Ne vous laissez pas distraire par certains commentaires ou des gens qui viennent pour essayer de raconter des histoires ici. Nous ne sommes pas seuls. Sur Internet, il y a aussi des agents du diable qui sont là ici et qui veulent se battre, qui veulent tout faire pour distraire les gens sérieux. Et il y a plein de personnes ici qui ne savent pas ce genre de choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que tout le monde est bien, tout le monde est parfait. Et moi, c'est ce que je pensais avant. J'aimais tout le monde comme j'aime tout le monde. Mais Dieu m'a montré, que les gens que j'aime là, ne m'aiment pas tous. La plupart me font semblant même de m'aimer. Faites grave attention à ce que je suis en train de vous dire.
vous voulez monter un projet aussi, il faut voir entre les filles, là, surtout entre les femmes. Genre, elles peuvent être trois. Les autres là sont en train de chercher garçon seulement. Maintenant, il y a une qui a décidé aujourd'hui d'utiliser son argent pour monter une affaire. Et elle va en parler à ses amis. Au lieu que ses amis l'encouragent sur le bon chemin, vous allez voir qu'ils vont se mettre à dire de grand n'importe quoi pour démoraliser la femme, pour décourager la fille de pouvoir mettre en pied son projet. Là, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que à un moment donné, si tu vois que tes amis ne t'arrangent pas, il faut t'en séparer. C'est pas un péché. Si ceux qui sont autour de toi ne t'aident pas à avancer, ils ne t'aident pas dans tes projets, ils ne t'aident pas à réussir, ça sert à quoi d'être ami? C'est sur quoi est basé votre amitié. À chaque fois que tu essaies de faire sauter la tête du tout, eux seront devenus t'enfoncer. Ce sont des agents du diable qui sont parmi vous. Ce sont des agents du diable qui sont autour de vous. Et ils sont là, bien habillés, ils se parfument même, ils se baladent autour de nous. Ils parlent bien. Vous allez penser que ce sont des bonnes personnes. Eux sont des agents du diable. Faites grave attention. Faites grave attention. Au départ, j'ai cru que ça n'arrivait qu'à moi. Mais quand j'ai vu mes collègues aussi sur YouTube, j'ai vu qu'effectivement, le diable, il frappe tout le monde. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous croyez en Dieu ou pas, c'est la même règle. Le diable s'attaque à tout le monde. Réussir et vivre bien sa vie, là, ça ne plaît pas aux gens. Quand tu réussis et que tu vis bien ta vie, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, qui feront tout pour te faire descendre. Mais il faut repérer ces gens, il faut les détecter, ces agents du diable. Il faut les détecter. Et ils sont là. Moi, je te donne juste des signes. Des gens tout le temps, ils ont des pensées négatives. Ah, vous allez voir qu'on va construire une meuble. Et voici qu'on dit, oh, voici, on va construire une meuble. Oh, quand on va construire une meuble, ça sera joli. Et vous allez voir que le gars va quitter là-bas, il va dire, oh, et si vous construisez le meuble, et puis ça tombe ici, bou, 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 sur les jambes, et puis les jambes. Quels sont ces gens de pensée? Quels sont ces gens de pensée? Ah! Si les gens doivent penser comme ça, là, qui allait voler dans le pays? Qui allait voler dans la population? Eh! Hey, il faut éviter beaucoup de choses. Moi, je vous dis, il y a des agents du diable parmi nous. Et ils ont des signes. Ce sont d'abord des signes de la sorcellerie qui manifestent. La jalousie. La jalousie. Vous mettez un projet, ils sont là. Vous prenez une nouvelle décision, ils sont là. Ils s'opposent toujours à vous, à vos décisions. Vous voulez faire ceci, ils sont là. Tu veux te marier, ils sont là. Oh non, tu vas te marier, pourquoi? Tu es trop jeune. Il faut attendre. Il faut passer le temps avec des filles. Ou bien la jeune fille, elle décide de se caser, ne pas faire comme les autres filles, sortir avec les hommes en désordre. Ses amis vont maintenant venir pour dire, ah non, écoute, prends le temps de connaître le gars sexuellement pour voir s'il t'arrange. Bon, tu vas connaître le gars sexuellement là, et s'il ne t'arrange pas maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore prendre un autre gars. Et si l'autre gars là, il ne t'arrange pas encore? Tu vas encore chercher sur un autre gars. Et si l'autre gars veut aller là, il ne t'arrange toujours pas. Toi, ça fait trois gars. Tu as une prostituée internationale. Tellement tu écoutes les gens. Ah, qu'est-ce qui va pas avec toi? Prenez un moment pour écouter Dieu un peu. Pour écouter Dieu, confiez-vous à Dieu et ne vous laissez plus distraire. C'est ce message-là que j'ai envoyé dans la partie communauté de notre chaîne. J'ai dit, il y a des agents du diable parmi nous, ne vous laissez plus distraire. Tout le temps, ils sont là pour vous décourager, vous démoraliser. Tout le temps, ils sont eux qui sont là, ah, comme ceci. Ce sont eux qui trouvent toujours des défauts sur vous. Si vous marchez avec des gens, puis des gens, ces gens-là trouvent toujours des défauts sur vous, que ce soit physique comme moral. Mes frères et sœurs, faites attention. Faites très attention. Très, très, très attention. Ce sont des agents du diable qui sont là pour vous influencer à prendre de très mauvaises décisions. Ce sont les œuvres. Ça, ce sont les œuvres des agents du diable qui
qui sont avec vous, chez vous, vous mangez même avec eux matin, midi et soir. Et quand vous êtes éloigné d'eux, ils feront beaucoup de bruit pour attirer votre attention. Oui, beaucoup de bruit. À un moment donné, vous allez devoir marcher seul. Mais pas seulement seul, avec Jésus pour vous aider. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Et si vous voulez nous soutenir, dans la description de cette vidéo, vous verrez notre email PayPal. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Encore une fois, si vous voulez nous soutenir, ça c'est si vous voulez vraiment nous soutenir. Ce n'est pas obligatoire. Mais retenez l'essentiel. Ce que je suis en train de vous dire, ça, il faut le retenir. Il y a des agents du diable autour de vous. Et il manifeste des signes que vous pouvez connaître ou pas. Je vous ai donné juste quelques indices. Quelqu'un vous envoie, quelqu'un vous dit que vous êtes bien. En même temps, il ajoute un mais et il dit des méchancetés derrière cette personne. C'est qui? C'est un agent du diable. Et ça, ce sont ceux-là. Faites attention! Faites grave attention! Ils sont là. Mais soyez vigilants vous-même. Ok, rendez-vous à la chaîne. C'est parti.